Amis, encore, nous saluons toutes, ces amis ou dernières sur technologie en créole avec leçon numéro 2 CSS noir. Dans la leçon, ces amis, nous allons parler de qui j'en, ok? Nous allons parler en plus de détails qui j'en pour travailler avec un selecteur classe, un selecteur ID, ok? Parce que nous sommes que dans la leçon numéro 1, nous avons un petit apprécié pour nous montrer qui ça y est. Fois ça, on va le prendre ensemble pour laisser seulement deux barres à ça. Qui j'ai pour travailler avec un div, ok? Et qui j'ai pour travailler avec un classe, ok? Ça nous va prendre trop de temps. On avance rapide, rapide. Ok, les amis, on va faire trois barres là, ok? On va premièrement créer un div et puis créer un classe, ok? Et puis après ça, nous allons parler d'un tag qui est vraiment important de pour capable de séparer une classe avec un div, ok? On ouvre on quitte la classe là, on ouvre les rouges, ok? Nous allons créer une autre classe, on va juste copier ça, et on passe les plusieurs fois. Ok, on va juste créer un nouveau, okay. Ça c'est une classe, une maison ID, ok? Nous allons ouvrir les ID ça. 1, ok? On a pris notre ID, on a pris 2, ok? On va pris notre ID, on a pris 3. Alright, so under 1, nous allons dire que 1 égale, nous allons faire 1 l'âge de toute page, et nous allons faire un background couleur qui a appelé. Non, je mettre un sur l'autre et puis après ça nous va créer classe pour nous changer, ok? So mais la première dit non le one dit que nous balions l'âge nous pas genre il y a 100% with l'âge 100%, ok? Nous finir avec un point virgule, so m'a fait ça pour toutes 1 2 3. So je me dis que on div qu'à appliquer une seule fois, ok? Premier div, deuxième div, troisième div. Ok, so, mais ça nous va le faire. En dedans, là, on va juste la guépée pour contrôler. C'est comme ça, pour séparer, on cite notre travail sur lui, normalement. Ok, mais meilleure façon. Nous besoin div, on tag les div. Ok, c'est avec le tag ça que on travaille pour séparer toute partie qui est dans le site là. Ok. Nous revenons dans mon tutoriel là côté que tout ça nous va faire net. On a besoin de div parce que c'est div là qui sépare éléments qui sont dans page. OK? Tout à l'heure nous avons travaillé à P juste pour être capable de faire des petits tests par nous, OK? So, nous allons faire div ça là on ID caprelé 1. OK? Donc, songez que 1 est écrit avec un O majuscule, OK? So, ça m'a fait, m'a juste copier et m'a pasté 3 fois. OK? 1, 2, 3, ok? Alright, so, mais ça nous va faire qu'on est là pour nous capables de voir, nous va faire ça là pour nous capables de voir et tous les trois barres ça, ok? So, ça nous va faire, nous va mettre en dans un paragraphe P, ok? Nous allons aller, ça c'est div 1. Pour capable qu'on ait exactement ça qu'a fait, on va le copier là. Ok? Les amis, vous pouvez travailler dur, vous travaillez avec intelligence. Ok? Si vous pouvez juste copier pour me passer, je vais vous appeler pile. Ok? Div 1, div 2, div 3. Ok? On va le save. Ça fait seulement 10 points, sans dire que nous faisons div capable pour seulement partie un seul élément. Disons que div 1 nous t'es head site là, div 2 nous t'es limite en site là, div 3 nous t'es footer site là, sinon n'importe quelle section que tu besoin, ok? So div 1, div 2, div 3. Ou pas qu'à mettre notre div 1 là, parce que vous avez déjà, ok? So, on va save. On va le checker sur browser. Refresh. Ok, les amis, nous sommes capables de voir div 1,
div 2, div 3, ok? Ok, ça me vraiment nous connaît, c'est que nous avons dit nous consacrer un div, ou qu'on applique une seule fois, ou qu'on classe, ou qu'on applique plusieurs fois, ok? Donc nous avons classe qui est rouge. Si nous avons besoin de div ça, puis rouge, nous avons un ID tout, I mean, nous avons un div ID 1, nous avons besoin une classe, ok, qui appelle exactement rouge. Ok, si on va copier classe rouge en là, je vais mettre dans toute div, ou pas voir comment il va changer. Tout dit, on va aller couleur rouge parce que mettre classe dans tout. Ok? On save. On va. Ouais, les amis. Ok. Nous avons div 1, div 2, div 3. Vous êtes capable de mettre une classe dans n'importe div que vous voulez. Votre bon, ID supposé exister une seule fois. Même si vous mettez ID à n'importe 4, 5, 6 fois, un seul ID à t'apparaît là. Ok? Parce que supposé une seule fois. Ça, c'est en l'air, mi-temps, footer. Ou capable de gagner n'importe 10 si vous voulez. Disons que vous bâtissez un site ou gagnez un head ladan, ou gagnez une autre section pour aller dans l'autre bagaille, ou une autre section pour aller dans l'autre bagaille encore, dans l'autre bagaille jusqu'à ce que vous venez lever dans le footer, que vous mettez le couillot, ok? Ou qu'à faire ça, il faut créer plusieurs divs avec ID là-dedans, ok? Toujours songer. Toujours songer, l'autre travail avec div, l'autre travail avec ID, faut toujours avec l'autre travail avec classe, et ID, il faut toujours commencer avec tag qui est le div là, ok? De nous venons au moment là notre tutoriel côté nous pas pouvons utiliser juste nous pas pouvons juste la gomper en dans body encore faut que l'on dans un div, ok, faut que l'on dans un div. Et puis tous amis encore on va bagarre que tu capable faire ou pas obligé gain div là qui gain ID là dedans il casse seulement mon classe, vous comprenez, ou pas juste dit div et pour pas gain aucun ID en dedans, ok, et pour dit classe vous connaissez là si nous fait ça il pas dans aucune propriété, faut nous créer une classe. Et puis, on a la fois, on a mis width 100 dans la classe là. Ok? N'a que comme au fil et à mesure que nous montons, ok, avec plus de tutoriel, on est capable de plus de compréhension. Mais en mieux, je souhaite que vous êtes capable de comprendre exactement, et dans ce moment là, qu'il y a besoin de créer une classe, qu'il y a besoin de créer un ID, et que vous êtes capable seulement d'utiliser un ID en seule fois. 1, 2, 3. Votre div classe, qui est en couleur rouge, vous pouvez ajouter dans n'importe partie dans ce site là que vous voulez. Ok? Autant de fois que vous voulez. Alright, zami, on va pas durer trop longtemps, nous déjà 7 minutes et 30 secondes, ok? On va avancer rapide là, ou moi qui l'autre tutoriel que je vais préparer pour nous. So, ma point nous sur deuxième ou en troisième tutoriel, nous, ok? Pour nous parler plus de qui ça qui existait en dans div ça, yo. Non, mais non, en dans et CSS ça, ok? Qui sorte de propriété que nous capable mettre dans parce qu'on peut propriété, ou qu'à faire centré dans mi-temps, ou qu'à aller, ou qu'à faire 20 tours. Peu importe ça, lien, ça a eu les propriétés. Ok, nous allons commencer par les propriétés qui existaient en dans CSS. Zamio, à la prochaine, ma prenons dans l'autre vidéo qui va être faite là.